Bonjour, bienvenue dans le dictionnaire juridique en vidéo d'ABC Juris et de Juridiquois. Aujourd'hui, nous allons vous parler des droits patrimoniaux en droit d'auteur. Désormais, dans la description de nos vidéos, vous pouvez retrouver une bibliographie par matière. Avant d'aborder cette nouvelle notion, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le lien sous ou sur la vidéo. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous proposer de nouveaux sujets de vidéos dont vous répondrons en vidéo. Parlons maintenant des droits patrimoniaux en droit d'auteur. Le droit d'auteur confère deux types de droits à l'auteur des créations, qui sont les droits moraux et patrimoniaux. Les droits patrimoniaux permettent au titulaire des droits ou à ses ayants droit d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit, ainsi que de percevoir une rémunération pour l'exploitation de ses œuvres par des tiers. Contrairement aux droits moraux, qui sont perpétuels et inaliénables, les droits patrimoniaux sont limités dans le temps et peuvent être cédés à un tiers. L'auteur en dispose tout au long de sa vie, ainsi que ses ayants droit, durant les 70 années qui suivent son décès. Les droits patrimoniaux reconnus à l'auteur sont au nombre de six. Le droit de représentation, communication publique, le droit de reproduction, les droits dérivés, le droit de suite, le droit de distribution et le droit au référencement. Le premier droit est le droit de représentation. C'est le droit d'autoriser ou d'interdire toute communication de l'œuvre publique qu'elle soit directe ou indirecte. Une communication directe peut être par exemple un spectacle vivant. Une communication indirecte peut être l'utilisation d'un support, la représentation peut prendre plusieurs formes telles qu'une projection d'une heure, une exposition d'un tableau ou encore la diffusion d'une musique dans un lieu. Le deuxième droit est le droit de reproduction. C'est le droit d'autoriser ou d'interdire toute fixation de l'œuvre sur un support quelconque, par quelque procédé que ce soit, au fin de sa communication en public. Le fait de filmer, faire des copies, constitue des actes de reproduction. Le troisième correspond au droit dérivé du droit de représentation ou du droit de reproduction. Il s'agit notamment du droit de traduction, du droit de localisation, etc. Le quatrième est le droit de suite. Il s'agit du droit pour les auteurs d'œuvres relevant des arts graphiques et plastiques de percevoir un pourcentage sur le prix de revente de leurs œuvres. Le cinquième est le droit de distribution. Il a pour objet la distribution physique des exemplaires matériels reproduisant une œuvre, comme par exemple la vente d'un DVD reproduisant un film. Le sixième est le droit au référencement des œuvres d'art graphique et plastique et photographique. Il s'agit d'autoriser ou d'interdire la reproduction et la mise à disposition du public par des services automatisés de référencement d'images à des fins d'indexation et de référencement des œuvres d'art plastique, graphique ou photographique collectées de manière automatisée à partir de services de communication au public en ligne. Tous les actes d'exploitation d'une œuvre que peut exercer l'auteur sont couverts par le droit d'auteur. Et celui-ci devra être préalablement autorisé par un contrat ou une licence d'exploitation ou en cédant des droits patrimoniaux. Cette cession doit respecter un formalisme strict sous peine de nullité. C'était les droits patrimoniaux en droit d'auteur, en droit de la propriété intellectuelle. Nos coordonnées pour nous retrouver sur ABC Juris et sur Juridicois sont disponibles dans la description. Voici d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser et un lien pour vous abonner. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez appris quelque chose, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ou partagez cette vidéo avec un ami. Je vous retrouve très bientôt dans le dictionnaire juridique en vidéo.